la Bible dans le livre d'Apocalypse. Prenez tous vos Bibles. J'aimerais que vous les laissiez ouvertes à cette place-là. Parce que ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est d'étudier l'âge de Thyatire. Désormais, quand vous lirez, vous savez et vous comprenez ce que Dieu voulait exactement dire. Amen. Amen. Parce que le livre d'Apocalypse est écrit sous forme de symboles. C'est caché aux sages et aux intelligents de ce monde. Mais cette révélation a été donnée à l'épouse. C'est toi l'épouse de Jésus-Christ. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 2. Donc je crois depuis le verset 18 à... jusqu'à ce que l'âge de Thyatire finisse. L'âge de Thyatire. Que le Seigneur m'aide. Je vais vraiment aller vite. Et peut-être vers la fin, si j'ai le temps, je prêcherai un peu. Je parlerai vraiment en tout début. Donc soyez attentifs. Si j'ai le temps, je pourrai prêcher. Amen. Oui. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Bon, comme elle a mandé et à l'église Oyo à Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Botala Oyo lobi mwananzambe. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Oyo azali na miso lokola moto. Et dont les pieds sont semblables à des airains ardents. Oyo makolo na ye ezali lokola motako, donc airain. Oyo ezali kopela moto. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service. Nayebi misala na yo, kondima na yo, pe misala na yo ya sembo. Ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Ndenge yo ozali lolenge moko. Pe misala na yo oyo ya suka oyo eleki mingi koleka misala oyo ozalaki liboso. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé la femme Jézabel. Kasi eloko oyo nga na telemeli yo yo tiki mwasi oyo Jézabel qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Oyo ami bengi mosakoli ya mwasi ko kolakisa pe côté ya basali na ngai pour qu'il se ko sa basali na ngai pour qu'il se livre à l'impudicité et qu'il mange des viandes sacrifiées aux idoles. Oyete bango ba mipesa na ekobo pe ba lia nyama oyo ba bonjeli ba nzambe ya lokuta. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente. Na pesa ki etango po ete ye abongola motema. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Ye alingi koyambola te na oyetali ekobo na ye. Voici, je vais la jeter sur un lit. Botala tina yango na kobwaka ye likolo na meto. Et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle. Pe na kotinda minyoko kotungisa mabele na ba oyo bazali kosumuka elongo na ye. À moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Kaka soki bayamboli na misala na bango. Je ferai mourir de mort ses enfants. Na kuboma bana na ye. Et toute l'église connaîtra que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. L'église annonce baboye baete ezali ngainde moto na monaka o ezali na katia mitema o ezali na katia bato. Et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Pe na bozongisela moto la moto yenge beni na misala na yi. À vous, à tous les autres de Thyatire. Na bino na ba o nyonso donc na bino d'abord. Naba onyo so bazana Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine. Oyo bayambi manakisi oyo te et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Oyo ba monaki bakindaki na modindo ya Satan te. Comme il les appelle, je vous dis,
Je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu les pouvoirs de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. Ok. Parce que cette femme Jézabel, on a parlé de lui. J'aimerais que on lise quelque chose ici. Dans 1 roi 18, je crois. 1 roi 18, oui. Vous allez voir ce que cette femme a fait, et puis on le verra par la suite. 1 roi 18, 7, on y va. Comme Abdias était en route, voici Élie les rencontra. Le cola Abdias, Azalaki Nanzela, Élie Akutaninae. Abdias l'ayant reconnu, tomba sur son visage et dit: Tango Abdias amoni mosakoli Elia akoi na makolo na yepe alobi. Et c'est toi, mon Seigneur Élie? Alobi yonde kolo na ngai Élie. Il lui répondit: C'est moi. Alobi ezali ngai. Va dire à ton maître, voici Élie. Élie a l'obéi naïe kené, l'oba la maître naïe, donc Akab, l'oba monsakoli Élie. Et Abdias dit: Quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Akab qui me fera mourir? Abdias a l'obéi naïe, l'issoumouni na sali, pote yo livre naïe et pa yakab, pour abomangaï. L'Éternel est vivant. Il n'est ni nation ni royaume où mon maître n'est envoyé pour te chercher. Tala kolo azali na bomoy. Mokonzi na ngai atindi balukayo na mabota nyoso ebele. Et quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait girer les royaumes et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé. Tango balobaki ete yo azali kuna te. Et maintenant tu dis: Va dire à ton maître, voici Élie. Puis lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera je ne sais où, et j'irai informer Akab. Tango ngai na kotika yo, yo okolimwa na yo, ngala oloba na Akab ke namoni yo. Après, Akab a dit: Qu'est-ce qui va pour moi? Qui ne te trouvera pas et qui me tuera? Cependant, ton serviteur craint l'Éternel dès sa jeunesse. Alors que ngai mosali na yo na banaka Yahweh kobanda na bomwana na ngai. N'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel tua les prophètes de l'Éternel? J'ai caché 100 prophètes de l'Éternel. Mokama. 50 par 50 dans une caverne et je les ai nourris de pain et d'eau. 50 par 50 tango nakati na ba grotte. Et maintenant, tu dis: Va dire à ton maître, voici Élie. Il me dit. Amen. Amen. Je voulais simplement que vous voyez ce que Jézabel avait fait. Jézabel avait tué les prophètes de l'Éternel. Donc, Jézabel, c'était la femme d'Akab. C'était une princesse sidonienne.
Akab, qui était israélite, avait épousé une sidonienne, et quand elle est arrivée à Israël, elle a commencé à tuer les prophètes de l'Éternel. Retenez bien cela. Jézabel nous intéresse parce que ici, dans le livre d'Apocalypse, Dieu s'est souvenu de cette femme. Amen. Donc, il y a des gens dans la Bible qui ont provoqué la colère de Dieu. Regarde, depuis l'Ancien Testament, il s'est passé de nombreuses, des siècles. Mais Dieu se souvient toujours de son nom, Jézabel. Je ne suis pas sûr que cette femme-là, on la verra au ciel. Pour votre information, c'est elle qui avait amené le maquillage à Israël. C'est Jézabel. Donc, si vous ne le savez pas, voilà la mère de toutes les amatrices du maquillage. Elle s'appelle Jézabel. Donc, elle aimait trop ça. Bien, que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Veuillez vous asseoir. Je vous salue tous ce matin dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous remercions le Seigneur pour cette matinée qu'il nous accorde. Et je crois que le temps est arrivé pour nous de prendre ce que le Seigneur avait préparé pour cette génération. Parce que le prophète dit que les âges de l'Église ainsi que les sceaux, ça faisait partie des mystères qui avaient été cachés et que Dieu a révélé pour connaître le plan et le programme de l'Antichrist. Pour quelle importance nous allons étudier ces choses? Je crois que je l'avais expliqué le vendredi. Bien que c'est de l'histoire aussi, je n'insiste pas trop sur la partie historique, mais j'insiste surtout sur la partie évangélique et prophétique de ce que le Seigneur nous a donné comme révélation dans les âges de l'Église. Vous pouvez ne pas entendre les choses que vous avez déjà entendues, parce que moi, ce n'est pas la première fois non plus que j'ai écouté un enseignement sur l'âge de Thyatire, mais il y a des choses que j'ai dites ou que le Seigneur m'a inspiré. Personnellement, je n'avais jamais entendu ça ni vu ça moi-même, jusqu'à ce que je lise Frère Branham et jusqu'à ce qu'il me le fasse comprendre de cette manière-là. Et c'est pourquoi je vous demande de ne pas vous conduire comme une sœur que j'avais connue à Moscou. Je les ai vues discuter avec une autre sœur sur l'évangile de Jean au chapitre 4. Moi, j'étais sorti de la maison et à mon retour, quand je suis rentré avec les autres frères, alors il y en a une qui m'a dit, mais frère Franck, nous discutons avec la sœur Eugénie ici. Je dis, mais pourquoi discutez-vous sur la parole? Il dit, mais moi j'ai ouvert Jean chapitre 4, j'ai commencé à l'exhorter un peu pour dire ce que le Seigneur m'a montré. Alors elle dit, non, non, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, mais on a combat, ce n'était pas comme ça. Alors je les écoutais, ça m'amusait vraiment de l'écouter. Elles discutaient ensemble. Donc on devait prêcher cette affaire-là, comme cela avait été prêché dans le combat spirituel. C'est pourquoi vous devez faire attention. Vous pouvez prendre un sujet dans la parole. Moi, je peux le prêcher d'une manière. Frère Richard Aoka peut le prendre, le prêcher la même chose, mais d'une autre manière. Frère Bill, frère Baba, tous les autres prédicateurs, ils peuvent le prendre et le prêcher d'une autre manière. C'est comme ça que notre évangile est riche. C'est pourquoi même quand vous avez déjà écouté un enseignement, ne fermez pas vos oreilles et ne dites pas, ah, le pasteur prêche sur quoi? Sur l'âge de Thyatira. Ah, non, j'avais déjà écouté cet enseignement. Non, tu te trompes. Cet enseignement, tu ne l'avais pas écouté de Franck, tu l'avais écouté d'une autre personne. Et je crois que si tu l'écoutes de moi ou de quelqu'un d'autre, Dieu pourra rajouter quelque chose. Amen.
susceptible de m'aider et de t'aider toi aussi. Amen. 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 C'est comme ça que nous écoutons la parole. C'est pourquoi même nous, les prédicateurs, quand quelqu'un prêche, je m'assieds parfois là-bas ou ici, je suis attentif pour écouter ce que le Seigneur a à me dire. Amen. Même si j'ai déjà lu ça, mais je sais que Dieu me dira quelque chose. Amen. Que je ne connaissais pas. Amen. Amen. C'est comme ça que les chrétiens se conduisent. Vous voyez ici, je disais que le prophète William Marion Branham, c'est le prophète messager de l'âge de Laodicée. Dans Apocalypse, au chapitre 1, vous allez voir que Jésus se présente à l'église. La Bible dit, l'apôtre Jean fut ravi au jour du Seigneur. Nous avons vu que le jour de l'homme, c'est depuis 6000 ans que nous sommes en train de vivre pendant le jour de l'homme. Mais il vient un jour où ça ne sera plus le jour de l'homme, ça sera le jour du Seigneur. Et à ce jour-là, la Bible nous a montré que Jésus avait un aspect différent de celui que nous connaissons. Il avait la tête avec une perruque blanche, comme de la laine, des cheveux blancs comme de la laine. Il avait des yeux qui brillaient comme des flammes de feu. Il avait une épée qui sortait de sa bouche. Il avait sa ceinture sur la poitrine. Il avait ses pieds qui brûlaient comme de l'ardent, voyez. Et Frère Branham dit, c'est la septuple personnalité de Jésus dans sa face glorifiée. C'est-à-dire dans son corps glorifié, Jésus a un aspect différent de celui que les gens avaient vu en Palestine quand il était ici sur la terre. Et c'est ce que le livre dit dans le livre d'Apocalypse. Et vous allez voir que dans sa main droite, il avait les sept étoiles dans sa main et il marchait au milieu de sept chandeliers. La Bible dit que les sept étoiles, ce sont les sept messagers que Dieu allait envoyer depuis l'âge d'Éphèse jusqu'à l'âge de Laodicée. Et les sept chandeliers, ce sont les sept églises. Amen. Alors, quelles sont les sept églises? Pour ceux qui ne le savent pas, je rappelle très rapidement. C'est-à-dire les sept âges de l'église dont la Bible parle dans les livres d'Apocalypse. Vous pouvez lire chez vous à la maison. C'est une période, c'est pourquoi j'avais demandé à mon fils de le dessiner ici, qui s'étend depuis l'an zéro, c'est-à-dire à la naissance de Jésus-Christ, jusqu'à l'an 33 où Jésus avait commencé son ministère. Donc de l'an 33 à l'an 53, vous voyez, quand le Saint-Esprit est descendu, donc après la mort et la résurrection de Jésus, le Saint-Esprit est descendu dans l'Église. C'était ça les débuts de l'Église. Lise de la Vallée, est-ce que vous me suivez? Amen. Frère Branham dit que l'Église avait commencé par le Saint-Esprit. Amen. Quand les frères se réunissent quelque part et que le Saint-Esprit n'est pas là, sachez que ce n'est pas une Église. Même si ce sont quatre prédicateurs que vous connaissez depuis Kinshasa, même s'ils ont un grand bâtiment, quand il n'y a pas de Saint-Esprit, amen, il n'y a pas d'église. Amen. Parce que l'église à la Pentecôte avait commencé par des langues de feu qui étaient descendues sur les apôtres, amen, et les disciples qui étaient réunis. Donc la condition que pour qu'il y ait église quelque part, il faut que le Saint-Esprit soit là. Amen. Maintenant, si vous ne le voulez pas, c'est votre affaire. Constituez votre association. Cela ne m'engage pas. L'Église, c'est le Saint-Esprit. Amen. Parce que Jésus a dit, n'allez pas encore, attendez à Jérusalem. Vous recevrez le Saint-Esprit. Amen. Une puissance qui vient d'en haut. Ainsi, vous serez mes témoins. Amen. Vous êtes mes témoins parce que vous avez le Saint-Esprit. Amen. C'est une puissance qui vous conduira en toutes choses. Amen. Il vous révélera ce que je vous ai dit et les choses à venir. Amen. Notez dans Jean 10, 14, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. La vérité, c'est la parole. Amen. C'est le Saint-Esprit qui prend un prédicateur pour le conduire dans toute la parole. Amen. C'est le Saint-Esprit qui prend un fidèle que vous êtes pour la conduire ou le conduire dans
pourquoi vous devez d'abord avoir le Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit vous fera soumettre à la parole. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Quand vous venez à la foi, vous commencez par vous repentir pour recevoir le Saint-Esprit. C'est alors qu'on va vous donner le message de votre temps. Parce que si vous n'avez pas le Saint-Esprit, ce message fera de vous quelqu'un d'orgueilleux. Amen. C'est pourquoi cherchez d'abord le royaume des cieux. Amen. Et le royaume des cieux, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. 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 Et l'Église a commencé à l'an 33. Pierre et les autres reçurent le Saint-Esprit. Ils furent remplis de l'Esprit de Dieu. Et puis après, 20 ans après, vous allez voir que pendant ces 20 ans, c'était terrible. La foi, la puissance, les miracles, la sainteté. Les disciples mettaient tout en commun. Ils avaient une communion. Ils persévéraient dans l'enseignement. Ils étaient des flammes de feu. Même les diacres, même les frères, quand ils se déplaçaient, vous allez voir que les frères étaient toujours remplis de l'Esprit de Dieu. Amen. Il y avait les témoignages, il y avait des songes, des visions, des prophéties. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Pendant 20 ans. Et vous allez voir qu'à l'an 53, l'apôtre Paul va à Éphèse et le prophète William Branham dit que c'était le début de l'âge d'Éphèse. Parce que les âges de l'Église, il y en a 7. Et notez que les âges de l'Église, c'est des périodes, si vous voulez. Donc Dieu, depuis le début de l'Église, ou depuis le commencement de l'Église, jusqu'aujourd'hui, Dieu a subdivisé toute cette période, en tout ce temps-là, en 7 périodes. C'est ce qu'on appelle les âges de l'Église. Amen. Est-ce que tout le monde a compris? Amen. Donc les âges de l'Église ne sont rien d'autre que les 7 périodes qui nous séparent du temps du commencement de l'Église. Alors il y a eu l'âge d'Éphèse qui a commencé avec l'apôtre Paul. J'ai demandé ici, on a écrit, quelqu'un peut lire? De 53 à 170 après Jésus-Christ. Et le mot Éphèse signifie, vous pouvez voir là-bas, le mot Éphèse, entre parenthèses, en bas d'Éphèse, j'ai mis quelque chose là, relâché ou rétrograde. Hein? C'est ce que cela signifie, le mot Éphèse. Donc, nous sommes en 33, le Saint-Esprit descend. 20 ans après, en 53, Dieu dit, et Éphèse commence. Le mot Éphèse signifie quelque chose qui commence à se relâcher. Quelque chose qui devient rétrograde. Notez que un véhicule qui est sur l'autoroute, il roule à la 5e vitesse. Vous pouvez changer, vous redescendez à la 4e vitesse, mais le véhicule continue à rouler. Vous venez à la 3e vitesse, le véhicule roule toujours. Mais qu'est-ce qui se passe? Le véhicule est en train de rétrograder. La vitesse est en train de diminuer. Jusqu'à ce qu'on sera à la 2e vitesse, 1ère vitesse, point mort. Même un véhicule au point mort, s'il était en vitesse, vous allez voir qu'il va avancer peut-être des 100 mètres avant de s'arrêter. Il est déjà mort le véhicule, point mort. Mais Azotamboulana, point mort. Vous allez voir un frère ou une sœur. Il y a un temps, c'était le témoignage des malades qui étaient guéris par ses prières. Mais après un temps, le témoignage disparaît. Les prières deviennent rares. Le frère ou la sœur commence à rétrograder. L'Église, c'était la condition de l'Église. Et l'Église était devenue rétrograde depuis l'âge d'Éphèse. Maintenant, qu'est-ce qui était en train de se passer? C'est Satan. Déjà à l'ouverture du premier sceau, nous voyons qu'un cavalier blanc, qui montait un cheval blanc, était déjà à l'œuvre. C'est-à-dire l'Antichrist. Il avait déjà trouvé une technique pour affaiblir
l'église et les croyants de l'âge à l'âge d'Éphèse. Quelle était sa technique? Nous avons vu qu'il avait amené dans l'église le nicolaïsme. Le nicolaïsme, c'est quoi? Dans l'âge de l'Éphèse, nous l'avons vu. C'est-à-dire, c'est vaincre les laïcs, chasser le Saint-Esprit de l'église et mettre à la place un homme qui commence à diriger l'église par ses pensées. Les autres, amenez l'argent. Moi seul, je prierai pour les malades. Vous, contentez-vous seulement d'être là. Amen. Oui, rappelez-moi, parce que je vais prier pour la sœur Lynn à la fin. J'avais oublié. Rappelez-moi ça. S'il y a une autre chose que j'ai oublié, rappelez-moi. Bien. Donc, l'église commençait à se relâcher. Mais souvenez-vous que le véhicule avance toujours. L'église avançait toujours. Il y avait des cantiques. Le frère ou la sœur avance toujours. Elle vient quand même à l'église. Il chante quand même. Mais le frère ou la sœur commence à rétrograder. Maintenant, regardez. Éphèse. Après Éphèse, il y eut Smyrne. Suivez-moi très bien. Parce que cela nous concerne aujourd'hui. Le mot Smyrne, c'est-à-dire depuis l'an 170 jusqu'à l'an 312 après Jésus-Christ, cette période-là s'appelle l'âge de Smyrne. Et dans cet âge, Irénée fut choisi comme le messager. À cause de son enseignement qui ramenait le Saint-Esprit à l'Église, qui ramenait la foi, la puissance, la sainteté, la même vie que chez les apôtres. Amen. Maintenant, l'âge de Smyrne, le mot Smyrne signifie amertume et tristesse. L'âge de Smyrne, c'est l'âge pendant lequel les Nicolaïtes qui avaient pris le contrôle de l'église commençaient à maltraiter les chrétiens. C'est-à-dire, si toi, tu veux poursuivre ta vie de prière, qu'est-ce que faisaient les Nicolaïtes? Ils viennent, ils commencent à te persécuter. Oh, toi, pour prier, oh, tu exagères. Toi, tu veux dire que c'est toi-même qui prie. Yonem tozam au centre. La persécution commence. Pour lui, le pasteur Franck, lui, il aime seulement les dons. Il aime les dons. Comme on était parti à Bruxelles avec le frère, j'ai croisé un frère là-bas à l'hôtel. Il dit, ah, on dit que le pasteur Franck, lui, il aime seulement les dons. Il aime seulement les dons. Ah, j'ai dit, c'est comme ça qu'on parle de moi. J'ai dit, oui, ils n'ont pas tort, j'aime les dons. Mais s'ils veulent connaître ce que je prêche, ils peuvent aller sur Internet. Ils voient comment je prêche. Je dis, ça, c'est un ordre. Amen. Amen. On se moque de moi pour que je relâche ou que je déteste les dons. Non, c'est impossible. Je ne relâcherai pas. J'aime la parole, j'aime les dons, j'aime la foi, j'aime la sainteté. Amen. Ceux qui me connaissent, quand je vais à une fête, je crois que vous me connaissez. Comment moi je mange? Je prends mon assiette, je mets un peu de poulet, un peu de likayabou, un peu de viande, un peu de légumes. C'est comme ça que moi je mange quand je vais à une fête. Je goûte un peu de tout, je prends tout petit pour prendre tout. C'est comme ça que je mange. Amen. Amen. Donc ça, c'est mon caractère spirituel aussi. Je prends tout ce que Dieu a donné à l'église. Amen. Je ne laisse rien. Amen. 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 Parce que le message, c'est un tout. Amen. Jésus est un tout. Amen. Jésus n'a pas seulement des cheveux. Il a aussi des yeux. Il a aussi un nez. Il a aussi des oreilles. Il a aussi une bouche. Il a des bras. Il a aussi des jambes. Jésus est complet. Amen. C'est pourquoi nous prenons tout. Amen. Amen. Maintenant, regardez. Pendant l'âge de Smyrne, les chrétiens furent maltraités. Donc, les épreuves arrivent à l'église. Et si vous prenez l'âge de Smyrne, vous allez voir qu'en dehors, le nicolaïsme qui était les œuvres, il commence à devenir une doctrine.
C'est-à-dire, on commence à enseigner qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin de connaître toute la Bible. Et si vous voulez connaître cette influence, pour ceux qui connaissent l'Église catholique, mon grand-père était Longhi. Donc, on les appelait des catéchèses, là. Celui qui, le papa de mon père, Monsieur Lindo Mbadou, voilà, Fabien, parce que mon père s'appelait Lindo Mwanda. Alors, qu'est-ce que les catholiques faisaient? Ils prenaient une portion de la Bible, on vous dit, bon, enseignez seulement ça, les autres c'est difficile, vous ne comprendrez pas. C'est la doctrine nicolaïte. C'est-à-dire, vous les laïcs, vous ne devez pas connaître toute la Bible. La Bible, c'est un livre difficile, ça va vous perdre. Donc, on vous donne un morceau, certainement pour que vous ne connaissiez pas toutes les promesses et tout ce que Dieu a promis. Sinon, vous allez commencer à les réclamer. Vous voyez la tactique du diable? Alors, maintenant, les Nicolaïtes ont commencé à enseigner. Parce que c'était les œuvres, maintenant ça devient une doctrine. On prend la parole, on la coupe. Et c'est pourquoi vous voyez, nous dans le message, nous avons la Bible, vous aussi vous devez avoir la Bible. Moi j'ai des brochures, nous les distribuons aussi, pour que ce que moi je connais, toi tu connaisses aussi la totalité. Amen. Cette chose-là, tu la trouves seulement dans le message. Où tu es autorisé à connaître tout. Le prof et l'élève lisent les mêmes livres. Amen. Amen. Et c'est pourquoi nous on disait, nous avons le livre du maître. Amen. Alléluia. Amen. Dans l'âge de Smyrne, l'église a commencé à être maltraitée, massacrée. Les épreuves sont arrivées. Et frère Branham dit, dans l'âge de Smyrne, les épreuves servent à fortifier l'église. Amen. 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 Quelqu'un qui n'a pas des épreuves ne sera pas fort. Amen. C'est à cela que les épreuves servent. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand un message est donné, il est donné à tout le monde. Maintenant, si ça tombe entre les mains de l'élu, aux oreilles de l'élu, si un élu est distrait, il se redresse. Parce que vous allez voir l'amertume. Ce n'était pas le véritable élu. Vous pouvez éteindre ces affaires-là, non? Maintenant, regardez. Ceux qui ne purent pas, ceux qui ne voulurent pas ou qui ne reçurent pas le Saint-Esprit, ceux qui ne choisirent pas d'écouter leur messager Irénée, ils devaient avoir l'esprit de l'âge. C'est-à-dire, l'esprit de cette période, c'était l'amertume. Les chrétiens deviennent amers et tristes. Et c'est pourquoi, quand l'antichrist attaque, tu vas commencer à rétrograder. La vitesse de la prière diminue. La vitesse de la lecture de la parole diminue. La vitesse de venir à l'église diminue. Tu es en train de rétrograder. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver après? Le diable va commencer à te persécuter. Tu vas avoir des factures, tu vas avoir des problèmes, tu vas avoir peut-être des rivalités, tu vas avoir peut-être des disputes avec les frères ou les sœurs, les incompréhensions. Tu commences à devenir triste. Mais le Saint-Esprit a été donné justement pour te consoler, pour te donner la joie. Amen. Si tu commences à devenir triste, sache que ton onction diminue. Amen. Cherche à être rempli de l'Esprit de Dieu. Amen. Et tu vas vaincre l'amertume. Amen. Et c'est comme ça que les chrétiens, pendant l'âge de Smyrne, ils allaient se cacher dans les grottes. Ils étaient pauvres. Ils n'avaient rien. Tout ce qu'ils avaient, c'était le Saint-Esprit. Amen. Et quand on le prenait pour les amener aux fosses aux lions et les tuer, certains allaient en train de chanter. Le lion vient pour les dévorer, mais il est en train de chanter. Et vous allez voir dans l'âge de Smyrne, Dieu lui dit, tiens bon jusqu'à la mort. Amen. Alléluia. Amen. Ensuite vient l'âge de Pergame. Nous avons vu le vendredi que l'âge de Pergame, le mot Pergame signifie
mariage. Donc Pergame, c'est de 312 allant 606. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pendant l'âge de Pergame? Vous allez voir ici, il se passait un mariage. C'est-à-dire, les Nicolaïtes qui avaient pris le contrôle de l'église, ils se marient avec l'État. Ici, comme nous allons lire plus tard, par l'empereur Constantin, l'histoire dit que Constantin, c'était un empereur romain. Il était parti, il devait faire une guerre. Dans son songe, il a vu une croix. Alors il dit, oh, la croix, mais ça c'est le symbole des chrétiens. Il est allé voir les chrétiens. Il dit, priez pour moi. Si je remporte la guerre, alors je vais me faire chrétien. Amen. Ils ont prié pour Constantin. Et quand il a remporté la guerre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les chrétiens, c'est-à-dire les Nicolaïtes. Il a dit, bon, désormais, il n'y aura plus qu'une église. On va s'associer au concile de Nicée vers 325 après Jésus-Christ. Nous allons devenir une seule église. Vous, les chrétiens, et nous, les romains, nous nous associons. Donc, nous devenons l'église catholique romaine. Le mot catholique signifie universel. Amen. Vous voyez? Comme un homme qui est mort là, il s'appelle Bosco, il est mort, dommage. Alors il avait l'habitude de demander, il dit à un frère, il dit, mais toi tu pries, tu es de quelle religion? Il dit catholique, il dit, toi tu es romain? Ah, la personne lui dit, non, moi je suis congolais, il dit, mais non, cette église s'appelle église catholique romaine. Mais toi tu n'es pas romain, qu'est-ce que tu fais là? Vous voyez? Donc, en ce moment-là, Constantin et les dignitaires, c'est-à-dire les gens riches qui venaient à l'église, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné des bâtiments à l'église, ils ont ramené des dons à l'église. C'est ce qui se passe dans les églises pentecôtistes. Dans les églises pentecôtistes, comme vous voyez là par exemple, je donne seulement l'exemple. Comme frère Richard et les autres, comme ils ont ramené des instruments là-bas, et puis les autres ont acheté des chaises ici. Les autres, par exemple, ils ont mis le rideau ici. Bon, ça, ce sont les choses qu'on a données. Ça peut être aussi un véhicule, ça peut être des grandes choses aussi. Dans l'église catholique, quand quelqu'un donne beaucoup comme ça, c'est lui qui va décider ce que le pasteur va prêcher. Le pasteur, s'il commence à toucher un peu au péché ou à certaines choses, il va dire, non, pasteur, en tout cas, nous, les mamans, nous sommes réunis. Nous voyons que ce prédicateur-là, nous ne voulons pas de lui. Nous ne voulons plus l'entendre ici. Donc, les laïcs commencent à diriger à cause des dons, à cause de l'argent, à cause des choses qu'ils apportaient à l'église. Vous comprenez? C'est comme ça que les Nicolaïtes ont pris le pouvoir. Parce qu'ils avaient l'argent, le pouvoir à Rome. Maintenant, quand ils ont pris le pouvoir, ce fut un mariage entre l'église et l'État. C'est pourquoi cet âge est devenu l'âge de Pergame. Le mot Pergame signifie mariage. Remarquez que, ici nous sommes à l'an 606. Et quand nous arrivons à l'an 606, comprenez qu'en ce moment-ci, donc l'église est déjà mariée à l'État, et nous arrivons à Thyatire maintenant. Donc de 606 à 1520. Donc c'est la période à laquelle nous arrivons, que nous étudions maintenant. Et c'est pourquoi vendredi nous avons dit, nous sommes les chrétiens, liste de la vallée. Nous devons observer la manière dont nous marchons. Nous ne devons pas relâcher dans la prière. Oh non, pasteur, bon, les prières, on fait toutes les deux semaines. On trouve qu'on commence à être fatigué. Repoussons ça, on va faire ça seulement une fois par trimestre. Nous voulons relâcher. Oh pasteur, tu prêches trop sur le péché, pasteur. Est-ce que tu ne peux pas nous donner les enseignements du message au Lungo Kima? Réglons d'abord le problème du péché. Amen. Ensuite, on en viendra au mystère caché. Amen. Que toi, tu dois manger.
Frère Branham dit, un prédicateur était dans son église. Il prêchait la repentance. Le mercredi, repentance. Vendredi, repentance. Dimanche, repentance. Contre le péché. Janvier, repentance. Février, repentance. Le péché contre le... Le conseil des diacres s'est réuni. Oh pasteur, nous pensons que tu dois quand même progresser dans l'enseignement. Tu nous parles toujours de la repentance, tout ça. Le pasteur leur dit, mais oui, je veux bien. Avant de progresser, je veux d'abord que l'église se repente. Quand l'église se sera repentie, ensuite on avancera. Amen. Amen. Quand nous prêchons, ce n'est pas pour que toi tu comprennes seulement, mais c'est pour que tu vives les choses que nous prêchons. Amen. Si nous prêchons et que toi tu es amer, tu as de l'amertume ou tu es rétrograde, tu crois que je vais bouger? Je ne bougerai pas. Peut-être que je vais prendre un autre enseignement, mais nous serons toujours dans les mêmes choses. Amen. On était dans les esprits séducteurs, non? Maintenant, dans les âges de l'église, tu vas penser que tu vas t'essouffler. Ça nous suit ici. Pourquoi? Parce que même quand Frère Branham prêchait les âges de l'église, il montrait comment les esprits séducteurs, l'esprit de l'antichrist, avait combattu l'église pour l'affaiblir jusqu'à ce qu'il prenne totalement le pouvoir à Pergame et à Thyatire. Et quand il prit tout le pouvoir, c'était la mort. Vous allez voir que dans l'âge des Sardes, l'église était pratiquement ou complètement morte. C'est ce que le diable cherche. C'était tuer. Parce que quand tu deviens rétrograde, vous allez voir le premier signe, tu passes directement à Smyrne, tu deviens triste. Le frère ou la sœur devient triste. Il commence à voir qu'il n'a pas l'argent. Depuis quand tu sais que tu n'as pas l'argent? C'est ce que Dieu a dit à Adam. Il dit, mais comment tu sais que tu es nu? Tu as toujours été nu. Donc il s'est passé quelque chose entre toi et Ève, pour que vous compreniez que vous êtes nus. Vous avez toujours été nus. Mais pourquoi aujourd'hui tu te caches? Sœur, frère, tu as mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà pourquoi tu deviens triste. Tu as perdu quelque chose. Tu as perdu une vertu. Sœur, il y a quelque chose que tu as perdu. Et c'est pourquoi nous avons vu qu'après t'avoir attristé, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche le mariage. C'est-à-dire quand tu deviens triste, tu trouves que la parole ne te satisfait plus assez. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut le monde. Si tu étais voleur en train de faire des chèques, tu commences à rechercher dans ton agenda tous les bandits de l'Europe que tu connaissais, qui volaient, pour qu'ils te donnent l'argent. Et pour te donner l'argent, ils vont te dire, bon, écoute, master, on peut son bon, mais il n'y a pas de problème. Bon, toi, tu conduis bien. On a une opération. Toi, tu ne vas pas voler. Donc, toi, tout ce que tu vas faire, tu nous conduis devant la banque. Nous, on va voler. Non, toi, tu ne descends pas. Oh, yo, zara, frère. Eh, yo, kitate. Yo, tiki, biso, kaka. Oh, yo, tolanga. Yo, tiki, biso, kaka, sa banque. Parce qu'on nous a dit que tu conduis comme un as. Donc toi, tu nous accompagnes. Nous, on va voler. Et puis, quand on arrive, toi, tu as 500 euros. Alors, nous, on a quand même pris le risque. Nous, on aura 2000. Toi, tu auras 500. C'est comme ça. Tu es devenu un voleur. Oh non, les articles en Allemagne, ça sort de l'Allemagne. Les choses, ça sort de l'Allemagne et puis ça sort de Suisse. Toi, tu deviens revendeur. Tu vends des choses volées. Parce que tu penses que tu n'as pas beaucoup d'argent. Il faut augmenter. Réseleur. Tu deviens voleur. Tu te maries avec le vol, le monde. Tu te maries avec les choses du monde. Ici, tu arrives à Pergame. Vous voyez? Pergame. Frère, tu es tellement...
Satan harcelé. Le jus et le fanta ne suffisent plus. Oh non, pesa na nini wana bo zéro. Et loko wana ezala ba mousse mais ça zéro. Pesa zéro. Après oh non, nga sangria, nga melaka sangria. Le frère commence à rétrograder. La sœur commence à rétrograder. Vous voyez, les musiques que tu n'écoutais pas, tu commences à les supporter. Les choses que tu ne pouvais pas supporter avant, tu les supportes maintenant. Tu t'es marié avec le monde. Tu arrives à Bergame. Donc, l'antichrist, pour t'abattre, il va suivre le même rythme et les mêmes étapes. C'est pourquoi ce matin, si tu trouves que ta vie de prière a baissé, réveille-toi. Si tu ne lis plus la parole de Dieu, réveille-toi. Parce que les Philistins sont sur toi. C'est le but pour lequel nous prêchons les âges de l'Église. Tu connais trop de choses. Tu connais même trop de choses des gens plus que la parole. Comme quelqu'un qui se vante. C'est pourquoi tu es comme ça? Parce que toi tu connais les choses et la vie de tout le monde. Mais tu ne peux être que comme ça. Rétrograde. Parce que tu ne peux plus croire aux gens parce que tu les connais tellement. Frère, sœur, le temps arrive pour nous de nous réveiller. Amen. Après, on arrive à Thyatire. On commence maintenant. Ok, paragraphe 17. On y va. Là, on va tout juste lire. Le 25 décembre, pendant ces 5 jours. Le 25 décembre, les 5 jours, où il en a mis. Les Romains avaient des grandes fêtes, des jeux, des cirques, etc. Bah, Romain, bah, ça là, qu'il n'a pas fait, t'es belé pour ça qu'on a plus vite, frère. C'est alors qu'était célébrée cette grande fête païenne. Ils avaient élevé cet homme comme un dieu. L'avaient vêtu d'habits somptueux. Ainsi, ils avaient leur dieu au milieu d'eux. C'est alors que le post-millénarisme prit naissance. Doctrine millénium et bandit. Parce que ces gens pensaient que l'église était entrée dans le millénium. Bato et Bakaniza qui était église et continue dans le millénium plus vite, frère. Vous comprenez, ils étaient riches, n'avaient besoin de rien. Bomani, Bamani était ma commune, Mongo, Bazana Sousse, la maison et le côté. Et l'État et l'église étaient unis. État. Na église basangani. Nous sommes dans le millénium. C'est encore aujourd'hui ce qu'enseigne l'église catholique. Ezali oyo église catholique ezali kotangisa lelo. Le millénium est là. Millénium est comme awa. Nous savons que c'est faux. Toyebi ezali okuta. C'est la seconde venue de Christ qui introduit les. Ezali boye yankolonde ezali kokotisa millénium. Vite, on continue, oui. 18. Le messager de cet âge fut Colomban. Dans la messager à âge haut, vous voyez qu'on a Thyatire, comme on a eu Colomban. C'était un grand homme de Dieu. Azalaki motomo nene nzambe. Oui, on va jusqu'à 19. J'ai son histoire écrite ici. Nazali la histoire na awa. Pour commencer, le nom du quatrième âge de l'église, Thyatire, signifie mou, relâché ou encore flou. Tala, pour la kobanda. Thyatire, comme il y a quatrième âge d'église, Ezali, et logo oyo, lemba, et logo oyo, et mvoaba. C'est une époque d'illégitimité. Et puis Ezali, molili, flou. C'est une époque d'illégitimité qui s'étend de 606 à 1520. Ezali, tant que moi, pas si haut, Ezali, comme dans la 606, ti na 1520. L'étoile de cet âge était Colomban. Étoile, ton premier messager à âge haut, Azalaki Colomban. Un neveu de Martin. Azalaki, mon Akasia Martin. Il a vécu environ 60 ans après Patrick et son ministère commence 60 ans après celui de Patrick. Ok, on va sauter. Donc Colomban, c'est lui le messager de cet âge. 36. Nous trouvons pour commencer. Ton monde n'est pas la commanda. Et l'ange de l'assemblée qui est.
et à l'ange de l'assemblée qui est à Thyatire. Tala, na ange y assemblée au Laza na Thyatire. Écrit, voici ce que dit le fils de Dieu qui a ses yeux comme une flamme de feu. Bon, tala oye lobi moi nzambe, ouvrez vos bibles dans le livre de l'âge de Thyatire. Donc Apocalypse 2 de 18 à 28 je crois. Alors comme là on est maintenant dans les textes parce qu'on a terminé, on va lire. Comme là tala oye lobi moi nzambe oya zali na miso ezali kongenga lokola moto et dont les pieds sont semblables à des lérins. Oyo makolo na ye ekokani na motako erin le bende o ezali kopela moto. Oui, 37. Lorsque nous l'avons vu dans les premiers âges, tant que mona ki na âge o ya yambo, l'âge d'Éphèse ou au début de l'Apocalypse, liboso na âge d'Éphèse, tope liboso ya livre Apocalypse comme j'avais dit, nous l'avons vu dans sa septuple personnalité glorifiée. To mona ki na ba élément au sambo dans le baki, donc moutou, perruque, les yeux, la poitrine, tout ça. Nous avons vu que Jean l'avait rencontré au jour du Seigneur. Quand il vient maintenant, il est sacrificateur. Tango Yesu aye sikoyo na moment o naza ko lobana bino Yesu azali nganga nzambe. Quand il était ici sur terre, il était prophète, le prophète de Dieu. Tango Yesu azalaki na mabele, ye azalaki prophète, c'est-à-dire le fils de l'homme. Azalaki mosakoli. Il prit son propre sang et alla devant son père, ce que fit de lui un sacrificateur. Azwaki makila na ye wa sopaki akena ngoli boso ya tata na ye yangonde komisaki ye sacrificateur. Lorsqu'il reviendra, il sera un roi. Tango Yesu akozonga akozala akozonga lokola mokonzi. Prophète, sacrificateur et roi. Mosakoli nganga nzambe pe mokonzi. Quand il était le prophète de Dieu, il était un aigle. Quand il était sacrificateur de Dieu, il était un agneau. Quand il reviendra, il sera le lion, le roi, le lion de la tribu de Juda. Et il entrera dans son règne. Ye akokota na bokonzi na ye. Oui. Mais après son activité de sacrificateur, lorsqu'il quitte le sanctuaire, si madame Osala na est sacrificateur, tango ye a longwe na kati ya ndako na nzambe, alors nous le voyons se tenir là. Jean dit qu'il avait été transporté en esprit au jour du Seigneur. Non pas au septième jour, au dimanche, c'est faux. Ezali dimanche te. Oh l'Apocalypse 1 lobi. Ezali dimanche te. Ezali lokuta. Ezali mokolo ya Yahweh. Vous comprenez ce jour-là? Amen. C'est-à-dire le jour où Jésus reviendra comme roi, comme les lions pour juger. Amen. Amen. C'est pourquoi il a des yeux comme de flammes de feu. 40. Et nous voyons Jean transporté au jour du Seigneur. Il vit que le Seigneur avait les cheveux blancs comme de la neige. Nous savons que cela représente les juges. Donc en Angleterre, les juges portent des perruques blanches. Oui, on y va. 41. Autre chose maintenant. Et là, comme vous, il n'était plus sacrificateur parce que les sacrificateurs étaient saints au niveau de la taille. Botala, Apocalypse 1 et lobi, Yesu a l'attaqué ceinture à la poitrine. Mais dans la Bible, Toyebi était un sacrificateur, ils mettent la ceinture à la taille. Amen. Amen. Ce qui représente les services. Ce qui représente les services quand tu as la ceinture à la taille ici. Mais lui était saint au niveau de la poitrine. Ici, ce qui signifie qu'il était juge. Ah, Yesu awa, n'Apocalypse 1, azali na ceinture na poitrine. Et là, qui s'y était awa, azali mosambisi. Amen. Amen. Et nous le voyons marcher au milieu de sept lampes d'or.
tomonie kotambola na kati ya sept lampes ba chandelier misato. Sept. Chabande. Maintenant revenons à l'ancien des jours. Bon, si quoi tozonga na moto ya mikolo ya kala. Aux cheveux blancs assis sur le trône blanc du jugement comme Daniel Lévi. Yé na soukia pembe avant dit na trône ya jugement, loko la Daniel amonakiye. Il s'avança vers l'ancien des jours dont les cheveux étaient blancs comme la neige. Yé a poussani pembe ni l'ancien des jours, oyo souki zalaki pembe loko la neige. 43. Les cheveux blancs à trois points, de tout temps, les juges anglais ont eu l'habitude de porter dans la salle du jugement. Amen. Bon, comprenez simplement que les cheveux blancs montrent que Jésus était ou sera juge. Vous comprenez maintenant? Amen. Donc quand vous voyez, on dit que Jésus avait des cheveux blancs comme la laine, en ce moment-là, il n'est plus prophète, il n'est plus le Fils de Dieu comme sacrificateur. En ce moment-là, il devient juge. C'est fini. Là, il n'y a plus de pardon, il n'y a plus de miséricorde. Là, c'est le jugement. Amen. Amen. Acceptez d'être jugé aujourd'hui par la parole. Comme ça, vous ne serez pas jugé quand il revient. Amen. 46. Nous avons vu que ses pieds étaient semblables à des lérins ardents. Tomoniete makolonaye ezali motane lokola. Ce sont ses fondations. Ezali ba fondation na ye. Il a foulé la cuve de la colère du Dieu Tout-Puissant. Ye a foulé cuve ya kanda ya nzambe. A foulé le péché et l'a pris sur lui. Donc Yesu azuma sumu a foulé yango na makolo na ye. Yango na Bible vous avez vu makolo na ye comme pela moto lokola ardent, hein? Comme un de l'airain. Ok. Motako, ça c'est vrai difficile. Ok. Puis en est sorti et a été agréable à Dieu. Amen. 44, reviens à 44. Nous voyons aussi qu'il avait des yeux comme des flammes de feu. Ok. Regarde ce que dit la Bible. Le Fils de Dieu, celui qui a des yeux comme des flammes de feu. C'est ça qu'il a dit, non? Dans l'As de Tchatir. Oui, ok. Là, ses yeux sont comme des flammes de feu. Un jour, ses yeux avaient été embués de larmes humaines. Il pouvait pleurer sur un mourant. Tout en sachant que 5 minutes plus tard, cet homme ressusciterait. Nous croyons qu'il était 5 minutes après, Azali capable de secouer sa mutuana. C'était simplement de la sympathie humaine. Ezala qui va sentiment ya bomoto. Mais derrière cela, il y avait une telle puissance. Tala simalango guya moko ezala qui. Il pouvait regarder au travers de la vie d'un homme. Oh, kogaki kota la simanga bomo ya moto. Lui dire qui il était. Koye bisaye nani Azali. Et tout ce qui le concernait. Mais maintenant son regard était comme une flamme de feu. Des yeux qui pouvaient parcourir toute la terre et voir tout ce qui s'y passait. Où vous tiendrez-vous les jours du jugement? Vos péchés seront mis à nu devant lui. Amen. 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 Maintenant on avance. 40, combien? C'est 50. Ce soir, cet après-midi. Après-midi, allélo. Il vient comme une flamme de feu. Yesu a yeli sous le cola moto. Il plonge ses regards dans l'église de Thyatire. Azali ko tala église oya Thyatire. C'est l'âge dans lequel l'église est mariée au catholicisme et au paganisme. Ok, on en vient maintenant ici. Ezali eleko oyo église e balani na ki pagano, c'est-à-dire romanisme païen. Oui, ok. C'est,
C'est-à-dire où le nicolaïsme et le paganisme se sont mariés pour donner naissance à la première église organisée. Tala, ezali eleko oyo, nicolaïsme que je vous ai expliqué, et le paganisme se sont mariés pour donner naissance à la première église organisée. Dieu dit que les œuvres des Nicolaïtes, entre parenthèses dans l'âge d'Éphèse, se retrouvent dans la petite église de Pergame. Yahweh alobi, misala ya nicolaïsme. Tomoni yango lisusu na église oyelandaki ya Pergame. Où elles sont devenues une doctrine. Paiwa bekomaki maladisi. Et il dit ensuite que c'est la doctrine de Balaam. Alobiete ezali maladisi ya Balaam. Balaam était celui qui enseigna à Israël à commettre adultère. Balaam azali oyelandaki Israël à commettre adultère. Et ils se livrèrent à l'adultère avec Moab qui était une église tiède. Ah, Balaam et Koti Inyo na église ya Moab, vous connaissez cela, j'en parle tout le temps. Et puis église est comme Malili. L'église ordinaire, la grande organisation. Ah, et comme organisation mounini. Oui. Et nous voyons que Dieu dit que cette doctrine nicolaïte mit de côté toute la puissance qui se trouvait dans l'église. Ah, vous voyez le but de doctrine nicolaïte. Musala na yango kotia pembeni nguya oyo ezali na église. Amen. Donc moi je suis ici. Vous ne voulez pas que je prêche ce que le Saint-Esprit m'inspire. Vous commencez à me pousser à prêcher ce qu'un pasteur prêche ailleurs. C'est l'esprit nicolaïte. Cela a le but d'annuler la puissance du Saint-Esprit dans l'église. Continuons. Il dit, tirez cela, moi aussi je l'ai. Ah, il y a Nicolaïte. Il ne cesse de dire, j'ai cela, j'ai cela, j'ai cela. Et c'est ici que cela prend toute son envergure. Awa, ezali nde makambo ko mi vraiment makasi. Voyez comment l'église a écrasé cela jusqu'à ce qu'il n'en reste plus d'une petite chose minuscule. Alors, église ezali nini ba Nicolaïte na romanisme ba écrasé puissance ya Nzambe jusqu'à ce que eloko moko tetikali. C'est l'église que nous étudions aujourd'hui. Yango ezali église otozali ko yebola lelo. Lorsque cette révélation fut donnée à cette église, Rome avait déjà élevé ses constructions de foin et de paille. Rome a sarsalaki mosi crade donc a comment dit a construit makambo belé l'église. Il se présente à cette église comme celui dont les yeux sont comme des flammes de feu pénétrant au travers du voile des temps. Amen. Amila kisi awa lokola moto misu na ezali na flamme moto akoki ko tala au-delà ya oyo tango ezali ko lakisa. 50 combien là? 52. Oui, 53 maintenant. Bien, je connais tes œuvres et ton amour et ta foi et ton service. Bon, tout ça, un texte, Nabiso. Hein? Je connais tes œuvres et ta foi, ta constance, c'est écrit là. Mm-hmm. Et ta patience et tes dernières œuvres qui dépassent les premières. T'as la patience, Nayo, ma œuvre, Nayo, Oyo, et les qui ont Aliboso. Cette église semble avoir été presque complètement retranchée et réduite à néant. Bon, regardez, église Oyo est comme presque retranchée et puis bah néantir yango. Ils étaient éloignés des grandes réunions spirituelles. Bon, ce que l'Antichrist a fait, l'église est là, elle continue, mais église est longue et comme mosika na ba réunion ya spirituelle. Hein? Bah, réunion Molimo Mosantu, les réunions des dons, les réunions des guérisons, des miracles, la puissance, l'église s'écarte de ces choses, ok? Et se reposer en quelque sorte sur leurs œuvres. Ah! Église, et comme il se reposer na misala. Oh non, bisous de ton école, mon gars, néné. Hein? Nous avons construit une grande école. Oh non, nous voulons pour que nos enfants n'aillent pas dans les écoles du monde. Nous avons une école. On a aussi une garderie, on a un hôpital aussi. Amen. L'église commence à se reposer sur ses œuvres. Amen. Vous voyez ce qui s'est passé à Thyatire? Donc l'église se marie au monde. Au lieu de se reposer sur la puissance, l'église commence à se reposer sur les œuvres. C'est pourquoi Dieu dit ici, je connais tes œuvres. Allez, avançons.
Mais Dieu ne veut pas que nous nous confions dans les œuvres. Ta. Amen. Nzambe alingite makasi na biso biso to tia confiance na biso kaka na misala. C'est le signe de l'organisation. Nous chargerons Miss Jones du bois de chauffage. Oh Miss Jones, yo, oh comment occuper la maman bois chauffage? Nous demanderons aux enfants un tel de s'occuper des vêtements. Oh yo, on va la maman bilamba. C'est très bien, mais ne vous reposez pas sur cela. Ezali ma bête, mais totalement wanate. Vous comprenez? Amen. Donc quand l'Antichrist commence à ronger l'Église, vous vous éloignez des grandes réunions spirituelles, le discernement, les dons, les miracles, la sanctification, la puissance, plus tout. Il n'y a plus ça. Il y a les œuvres maintenant. Oh, nous avons acheté 2 terrains. Nous avons acheté ceci. Nous avons 3 véhicules maintenant. Ceux qui habitent là-bas, on va venir vous chercher. Il n'y a plus de problème. Vous n'allez plus prendre le bus. Mais le Saint-Esprit partit. Pourquoi? Parce que l'Antichrist a réussi à chasser le Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est ce qui se passait à Thyatire. C'est pourquoi Dieu dit, je connais tes œuvres. Elles sont plus grandes que le premier, ta constance. Oui, continuons maintenant. Et ayant dégénéré, ils avaient recouru aux œuvres plutôt qu'à l'amour et à la foi. Amen. Et puis, topé na bolingo. Et cela s'accentuait de plus en plus. Yango est commis, Koleka est commis, Kokende de plus en plus. Et puis, nous avons lu ceci, je connais tes œuvres, ton amour et ta foi. Bon, totalement boy, parce que c'est ce qui est écrit dans la Bible ici. Namoye bibolingo na yo foi et tout ça. Et tes dernières œuvres qui dépassent les premières. Bah œuvres na yo ya sikoyo o eleki ba o banaiko sala liboso. Écoutons maintenant ce que nous dit le verset 20. Bon, Bokasikoyo, Oyo, verset 20 et lobby. Nous sommes toujours dans l'as de Thyatire. Vous avez vos Bibles ouvertes? Amen. Oh, sœur, vous n'avez pas de Bible? Oui, si, si. Ok, on y va? Mais j'ai contre toi que tu laisses faire la femme Jézabel qui s'est prophétesse. Moi, si vous voulez, je suis là, je suis tout le temps. Donc, comme une face à face, c'est la femme Jézabel. Et elle enseigne et égare mes esclaves en les entraînant à commettre la fornication. Yé, azali ko enseigner, ko égarer ba serviteur nangai. Pas azali ko entraîner ba pour ba commettre fornication. Et à manger des choses sacrifiées aux idoles. La femme, qu'avons-nous trouvé que la femme représentait hier? Bon, tomoni était, et l'on dit tomoni était que moi si azali. L'église. Moi si azali et. L'église. Maintenant, nous voyons qu'après avoir été appelé Nicolaïsme et puis doctrine de Balaam, c'est devenu maintenant Jézabel. Bomani, esprit antichrist, Babema qui est le premier âge, Nicolaïde. Deuxième âge, Balaam. Siko Awa a commis Jézabel. Vous voyez comment l'esprit est le même, mais il change de dénomination? Ok, on y va? Jézabel, vous remarquerez que cela nous ramène à l'histoire. Bon, on dit Jézabel. Yango et Zongi si biso sikoyo na kati ya histoire. Si vous prenez des notes, cela se trouve dans 1 roi chapitre 16. Soki bozo sa ba note, yango ezali na 1 roi chapitre 16, oui. Jézabel n'était pas une fille d'Abraham. Tala, Jézabel azalaki mwana Abraham te. La Rome païenne non plus. Rome païenne azali pe mwana ya Abraham te. Les Nicolaïtes étaient un groupe froid et formaliste de chrétiens qui s'étaient séparés des vrais chrétiens. Tala, ba Nicolaïtes, bazalaki groupe ya ba chrétiens formaliste et froid. Pe wa ba kabwana ki na ba chrétien solo. Qui apparemment n'avait pas la foi. Oyo bazalaki na bondimate. Ils voulaient rendre l'église semblable à une loge. Tala, ba lingaki ba komisa église lokola loge moko boye ba franc-maçon. Ils veulent rendre l'église semblable à un loge. Vous comprenez? Sans la moindre trace de l'esprit. Ah! Église est en trace de l'esprit. Alléluia, alléluia. Ça, c'est le pentecôtisme.
Vous voyez ce que l'esprit Nicolaïte avait fait au début? Amen. Il est en train de le faire encore aujourd'hui. Au bisou de l'ingarababilo, nous n'aimons pas ça. Nous, c'est la parole Nicolaïte. Au pasteur, on avance. Les jours des miracles passés, c'était pour une autre époque. Oh, ma miracle est l'équipe avec frère Branham, ma miracle c'est l'État. Nous avons la communion fraternelle. Une bonne franc-maçonnerie ou n'importe quoi de semblable qui produisait les mêmes résultats. C'est très bien, mais cela ne remplacera jamais la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Amen. Fraternité, autant dans ma frère, ma bien-aimée, les âmes à l'amour. Mais écho remplacer nouvelle naissance de en Jésus-Christ. Amen. Oui. 61. Bon, cette Jézabel. Cette princesse n'était pas fille d'Abraham. Bon, princesse Jézabel, Azalaki mwana Abraham te. Elle était la fille d'un roi idolâtre. Azalaki mwana mwasi, mwana ya roi moko ya idolâtre. En ce temps-là, sa famille royale était renommée pour sa fidélité cruelle et sauvage envers Baal. Famille na Azalaki basambeli ya Baal. Son père était prêtre de l'idole Astarté. Tata na yapna yego sambela idole moko bana obenga Astarté. Akab isa de la même stratégie que Constantin. Bomoni, hein? Je vous ai dit que le roi Constantin avait uni le Rome au christianisme pour donner naissance à cette église organisée. Alors ici, frère Branham dit, Akab, le roi Akab de la Bible, il a fait exactement comme Constantin. Vous comprenez? Comme cet empereur romain. Qu'est-ce que Akab a fait? Ok? Cette grande nation puissante était voisine du peuple d'Israël. Tala, Macédonien, oyo, c'est une grande nation. Bazala nguya mini Macédonien, non. Bazala mbongo ebele. Que fit Constantin? Constantin Zalagi nini? Il n'était pas converti. Il a Zalagi converti. C'était un politicien. Azalagi n'a pas politicien. Qu'est-ce qu'a-t-il de faire? Et là, on n'y a mais quoi ça là? Il séduisit les chrétiens lorsqu'ils lui dirent qu'il priait. Ah, à séduire ma chrétien, tant ma chrétien, ma yébisa qui est que ma bonne le bonaï. Rappelez-vous que nous parlons ici de Nicolaïte. Bon, mais quand il s'est là, awa tozali ko solo la lika mouyaba Nicolaïte. Il déclara que s'il priait et qu'il gagne cette bataille, ya lo biete, ceux qui m'ont abandonné, et que ma gagne bitumba oyo, il se ferait chrétien. Ya roko ma chrétien. Il avait eu un rêve et il fit peindre une croix blanche sur le bouclier de ses soldats. Bon, on va sauter 79. Donc si c'est égal trois juste paragraphes et puis c'est bon. Ok. Lorsqu'Akab épousa Jézabel. Bon, bon, t'as là. Quand Akab a bali Jézabel. C'est exactement ce qu'il fit. Il introduisit l'idolâtrie en Israël. A ici idolâtrie na Israël. Et que fit Jézabel? Bon, Jézabel a salaki nini? Elle tua tous les prophètes sur lesquels elle put mettre la main. Aboma ki ba prophète oyoye akoka ki kozwa utaloboko na likolo na bango. Les papes firent de même. Pape pe a salaki loleke moko. Aboma ki ba chrétien qui avait en eux l'esprit de Dieu qui se manifestait. Balinga ki angote. Vous voyez? Akab épouse Jézabel par une alliance. Ils ont formé l'état de la Samarie. Qu'est-ce qui s'est passé? Jézabel commence à tuer les prophètes de l'Éternel. Bakomo bomaba don, il y a guérison. Bakomo bomaba don, il y a prophétie. Il commence à tuer les dons de parler en langue, les dons de miracles. Il commence à tuer l'onction. C'est ça. C'est que le mariage avec le monde a produit. Maintenant, oui, on continue. Tout vrai chrétien qui tomba entre leurs mains. Chrétien, il y a solo, il y a quoi qui n'a ils l'ont mis à mort. Baboma qui est. Mais il y avait l'étoile de cet âge. Ah, étoile.
C'était le vieil Élie. Lui n'avait pas peur de leur dire ce qu'il pensait. Il était l'étoile de Dieu pour cet âge-là. Il en arrive jusqu'à dire un jour, Seigneur, je suis le seul qui reste. Amen. On est à 80? 81 maintenant. Mais Dieu lui répondit, un instant, Élie, un instant. Élie, bangate. J'en ai encore 7000 qui sont cachés. Nazali. Tala, voyez ce qui s'est passé au temps d'Élie. Maintenant, vous allez comprendre. Quand l'église devient froide, formaliste, comme à Thyatire, c'est-à-dire plus de dons, plus de puissance, plus de miracles, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu se réserve une petite partie des chrétiens qui continuent à prier dans la clandestinité, qui ont des dons, qui ont des miracles, mais ils se cachaient dans le temps des âges de l'église. Au temps d'Élie et de Jézabel, Élie, lui, s'était manifesté parce qu'il est messager. Qu'est-ce qui s'est passé? Élie pensait qu'il était seul. Mais quand il a dit, Seigneur, je vais bientôt mourir parce qu'il n'y a plus de prophète, Dieu lui dit, je me suis réservé 7000 qui sont dans leur maison cachée, amen, qui n'ont pas plié les genoux devant les fausses doctrines, amen, du millénium, au du temps des miracles sont passés, amen, de rejeter les dons. Nous, nous sommes en train de suivre ce que Dieu a dit dans le temps des apôtres. Amen. Vous voyez, quand l'église est envahie, comme aujourd'hui, il y a une grande tendance générale. Mais Dieu se réserve toujours une minorité des enfants de Dieu qui, eux, continuent à avancer avec le baptême du Saint-Esprit. Ils n'ont pas honte de la colonne de feu. Oh non, mon islote, les gens vont parler. Les gens vont parler et dire quoi? Nous, nous aimons la colonne de feu. Alléluia! Nous croyons que Dieu se laisse photographier encore et encore. Amen. C'était cela. Donc vous voyez comment la parole se ressemble. Au temps d'Élie, 7000 se cachaient et continuaient à pratiquer la foi. Aujourd'hui, qu'il le froid de l'Europe et Zouabango, c'est leur problème. Nous, nous continuerons avec la parole, l'onction, les miracles, la puissance, les prophéties, les parler en langue et les dons. Amen. Parce que c'est écrit. Amen. Donc c'était comme ça dans les âges de l'église. Dans l'âge de Thyatire, oui frère, on va finir. 80 combien? Oui, 81, vas-y. 82, prends 82. Et puis on va sauter après à 100. On y va? Nous voyons que cette Jézabel, lorsqu'elle vint en Israël... Tomonier de Jézabel Oyo. Parce qu'on parle de Jézabel ici dans Apocalypse. C'est pourquoi nous parlons de lui. Jézabel Oyo, tant qu'il y a qui dans Israël... Allait vraiment abattre tous les hôtels de Dieu pour élever ses propres hôtels. Ta, il y a abattre les hôtels de Dieu. Pour élever les hôtels, il y a Baal. Et elle fit se prosterner les Israélites devant une idole. Ah! A commis comme une idolâtrie à Israël. C'est exactement ce que fit Constantin lorsqu'il institua l'église catholique. Amen. 83. C'est ainsi qu'Israël tout entier s'est mis à adorer Baal. Ah, Israël a commencé à mettre la Baal. Et c'est ce que fit l'église catholique à Thyatire. Frère, je suis peiné de vous le dire, mais je dois vous le dire parce que c'est la vérité. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des gens qui adorent Branham. Vous le savez? Oui. Non, n'ayez pas honte. Est-ce que vous le savez? Oui. Vous le savez? Oui. Ce sont les mêmes esprits qui étaient là dans l'Ancien Testament, amenés par Jézabel l'Antichrist, et les esprits qui avaient agi dans Thyatire, qui avaient amené les chrétiens à s'agenouiller devant les statues, devant les Saint-Pères. Parce qu'aujourd'hui, le pape, c'est le Vicarius Filii Dei. C'est le remplaçant du Fils de Dieu. Pour les catholiques, en tout cas. Donc, il remplace Jésus. Jésus, on ne le remplace pas. Amen. On le représente seulement en tant que croyant. Parce qu'il est vivant. Il est là. Amen. Comme
Comment tu peux remplacer quelqu'un qui est vivant? Amen. Vous voyez? Aujourd'hui, les mêmes esprits ont poussé les hommes à adorer un prophète. C'est pourquoi vous devez les refuser. Amen. C'est l'esprit antichrist. Amen. Les âges de l'église vous permettent de savoir ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament à cause des alliances, à cause des mariages avec Jézabel. Et Frère Branham dit, j'ai sauté ce verset, il dit, Jézabel s'est dit prophétesse. Il dit, qu'est-ce que signifie prophétesse? C'est-à-dire, quelqu'un qui interprète la parole. Donc, Jézabel laisse tomber la Bible. Elle peut dire que la parole signifie les choses qu'elle, elle pense dans sa tête. Dieu dit que les femmes ne prêchent pas, mais Jézabel peut vous dire non. Elles peuvent prêcher. La parole de Dieu dit que les hommes ne doivent pas faire ceci, mais Jézabel peut dire non. Ils doivent le faire. Vous voyez? Donc c'est un esprit qui vient interpréter la parole, parce qu'un prophète, c'est un interprète divin de la parole. Mais quand un prophète interprète la parole, nous savons qu'il doit rester avec elle. 85, frère Christian. C'est la vraie mission du prophète. Mission, tu peux lire aussi 84. Je voudrais que vous remarquiez encore quelque chose de frappant ici. J'ai trouvé cela dans mes livres d'histoire. Jésus dit qu'elle se disait prophétesse. Cette femme Jézabel qui se dit, vous voyez, l'église catholique ne permet pas à ses fidèles de lire la Bible. Bon, l'église catholique Alina a permettre ma fidèle n'a été baillé baba dans la Bible. Parce qu'ils disent que les prêtres est les seuls qui puissent deviner divinement la parole. Donc balobalobare sango azali o yeka anda ko ko deviner divinement liloba. Cela c'est la vraie mission du prophète. Yango ezali mission à solo ya mosakoli. Le prophète a l'interprétation divine de la parole de Dieu. Ah! Prophète, il y a une interprétation qu'outa et pas une nzambe, il y a l'ilobanaï. C'est parfaitement exact. Les ali bongo. Comment peut-on dire de quelqu'un qu'il est prophète et de dire ensuite qu'il a une fausse révélation? Mais n'est-ce pas que nous sommes prophète, bon, à la source de la révélation à ma B. 85? Ok, 86. Or, ils disent que l'église était une prophétesse. Baro balobi était église, les ali prophétesse. Rappelez-vous que ce changement vient du nicolaïsme. Changement wana et outi na nicolaïsme. Vous savez, l'église catholique dit ceci. Nous croyons la Bible et ce que l'église nous propose de croire. C'est-à-dire, l'église catholique a le pouvoir de se réunir, de décider que nous, nous croyons ceci, nous croyons cela, nous baptisons comme ça. Peu importe ce que dit la Bible, et ils le font même. L'église a cette autorité là. Mais l'Église de la Vallée, toi, tu n'as pas l'autorité de dire autre chose que cette Bible dit. Amen. Cette Bible doit avoir l'autorité sur nous. Amen. Vous comprenez? Amen. Pour éviter l'esprit nicolaïde. C'est pourquoi la Bible dit cette femme prophétesse, c'est-à-dire église, qui se dit prophétesse, je le jetterai sur le lit des morts. 86 maintenant. Rappelez-vous que ce changement vient du nicolaïsme qui a changé les îles en elles. Ah, a changé îles. Îles, c'est Jésus qui était le patron. A comme ici en haut, elle, c'est-à-dire l'église, prend la place de Jésus. L'église ne peut pas avoir plus d'autorité que Jésus. Jésus, c'est il, c'est la parole. Amen. Vous comprenez? Amen. Alors, c'est pourquoi nous sautons ton combien 101. Ensuite, ça sera 106, 151, et puis nous terminons. Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ah, on va en prendre 106.
Je pense à ce frère qui m'a questionné au sujet du serpent et du fruit mangé dans les jardins d'Éden. Nakanisi frère, tu n'as qu'une question sur serpent, le fruit au balia qui dans jardin d'Éden. Vous voyez maintenant c'est que quand il est parlé de manger, cela a un sens spirituel. Yango ezali na sens moko ya molimo. Et je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentit. Elle ne veut pas se repentir de sa fornication. Voici, je la jette sur un lit. Quel genre de lit? Celui de l'esprit de ce monde. Vous avez compris ce que la Bible veut dire ici? Frère Branham dit, cette église, cette femme qui se dit Jézabel, elle interprète la parole comme elle veut. À cause du mariage, elle amène le monde, l'idolâtrie. Les gens adorent l'argent. Les gens adorent les biens de ce monde. Dieu dit, quel est ce lit? C'est le lit de ce monde. Donc Dieu prendra cette église, il va le jeter dans le monde. Vous comprenez? Ah, on y va? Et ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. C'est-à-dire il y a des gens qui commettent l'adultère avec les églises du monde. Oh non, moi je ne trouve pas de mal dans ces églises-là. On peut battre à l'iloba. On peut battre quand même l'iloba. Avec toutes les bêtises qu'ils font, toi tu trouves quand même que c'est la parole. Tu es en train de commettre l'adultère avec la Jézabel spirituelle, ma soeur, mon frère. Jésus te regarde avec les yeux enflammés ce matin. Amen. Pour que tu changes de vision. Amen. Vous voyez? Ok, on continue. Et je ferai mourir de mort ses enfants. Cette femme-là a des enfants. Moi, si wana, azali pe na bana. Lisons Apocalypse 17. Bon, tout à l'heure, Apocalypse 17. Je pense que vous étiez tous ici hier soir. Bon, tu peux sauter 111. La fille de Jézabel s'appelait Athalie. Bon, là, regardez. Cette femme catholique, la Bible dit qu'elle a des enfants. Frère Branham dit ses enfants, c'est le protestantisme. Les groupes de réveil, les églises de réveil que vous voyez là. Ce sont les filles de l'église catholique. Aujourd'hui, elles baptisent tous de la même manière. Le nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Alors que nous nous baptisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Elles sont capables de prendre la Bible. La Bible dit qu'une femme ne doit pas prêcher. La Bible dit la réunion doit se faire de cette manière-là. La Bible dit ceci. Mais eux, ils vont dire que nous allons faire comme ça parce que mon ancien fait ceci. C'est l'esprit nicolaïte. Et qu'est-ce que Dieu dit? Elle va le prendre toute, elle va le jeter sur le lit du monde. Vous voyez? 111, c'est ça que la Bible dit ici. C'est ça que Frère Branham dit dans l'âge de Thyatire. Vous comprenez ce qu'il dit dans l'âge de Thyatire maintenant? Amen. On va le jeter sur le lit du monde. On a déjà lu 111? Oui, lis 111. Jézabel maria Athalie à Joram, le fils du roi de Juda. Bon, regarde ce qui se passe. Frère Branham veut insister ici pour montrer, chaque fois que vous faites des alliances, vous allez amener les esprits qui viennent de cette personne-là avec qui vous faites alliance s'il est dans le monde. Il dit ceci, Akab prend Jézabel. Jézabel amène l'idolâtrie à Israël. Akab avait une fille. Vous voyez pourquoi on parle de ça? Pourquoi nous parlons de ça? Parce que l'église catholique a eu aussi des filles. Donc Frère Branham montre que Akab, avec Jézabel, ils ont eu une fille. Et cette fille s'appelle Athalie. Athalie s'est mariée avec le fils de Josaphat en Juda, qui s'appelle Joram. Et la Bible dit, la fille d'Athalie avait amené l'idolâtrie en Judée. Pourquoi? Elle a vécu comme sa mère. C'est pourquoi Frère Branham dit, quand tu veux épouser une femme, il dit, tu dois regarder à sa mère. Peu
importe comment il est, regarde à sa mère. Amen. Elle sera comme sa mère. Amen. Il y a une fille à Paris là-bas, l'enfant d'un frère voulait l'épouser. Je lui ai dit, mais ton fils veut épouser cette fille-là. Bon, je vais t'aider. Tu vois cette sœur-là, est-ce que lui est capable d'affronter sœur à mon déloin? C'était une sœur autoritaire, tout ça. J'ai dit, ton fils ne pourra pas. C'est pourquoi vous les garçons, construisez-vous un caractère des garçons. Parce que vous allez prendre des filles, quand sa mère dirige la maison, toi on va commencer à te diriger. C'est pourquoi j'aime quand même les jeunes frères de mon église. Parce qu'ils sont venus me voir. Ils disent non, vous ne pouvez pas taper les tam-tam, vous êtes des filles. J'ai dit, ah, esprit Wenezokota, esprit masculin. Amen. Amen. Vous devez être des hommes. Amen. Pour diriger vos femmes de demain. Amen. Sinon tu vas être triste. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Oh non, la soeur a dit. Oh, la soeur a dit, bon, Zoli là. C'est toi le chef, comment Zoli là? Amen. Ok, on a fini, on prend les 151. Oui, frère Sten, tu peux passer. 151. Donc, elle avait des filles, Joram, Ibra, Atali, c'est-à-dire les mêmes esprits que Jézabel faisait, elle l'a amené. C'est pourquoi les mêmes esprits qui étaient dans l'église catholique, vous le voyez dans les églises de réveil aujourd'hui. Les églises de réveil, prends la Bible, va voir leur pasteur, dis-lui, pasteur, regarde ce qui est écrit ici. Il va te dire, bon frère, j'ai vu, mais est-ce que tu connais l'ancien, un ancien là, qui a une grande église à Kinshasa? Oui, elle, dans son église aussi, les femmes prêchent. Donc c'est ça l'argument. Frère, pour toi et moi, ça ne doit pas être l'argument. Amen. Même si une grande église à Kinshasa fait quelque chose, si ce n'est pas la parole, Amen. Ne le faites pas. Amen. Abraham Amen. Amen. Dit, ils ont remplacé elle par il. Elle, c'est l'église. Il, c'est Jésus. Amen. Amen. Mwanaume. Amen. Amen. C'est l'homme, c'est le mal. Le plus grand mal. Le mari, 151. Souvenez-vous maintenant que nous avons découvert où se trouvait le trône de Satan. Bon, nous avons retracé cela jusqu'au point de départ. Où était son trône au commencement? Trône à Satan, c'est là qui est. À Babylone. C'était à Babylone. Souvenez-vous que Babylone, c'est le nom de l'église catholique. N'oubliez pas ça, oui? Quand les rois prêtres de Babylone furent poursuivis par les conquérants chaldéens, il alla à Pergame avec toute sa hiérarchie pour y installer son trône. À Kena Pergame, Oyo, ville à Pergame, prêtre Attalus, qui était à Babylone, quand les chaldéens, donc les rois de Babylone, l'empire, comment dire, a été, si vous voulez, défait par les Perses ou je ne sais pas les Chaldéens. Ils ont pris leur pouvoir, leur paganisme, ils l'ont amené un peu plus haut vers l'Asie mineure dans la ville de Pergame. Et c'est pourquoi le mot Pergame signifie mariage. Parce que c'est là où les mêmes prêtres, ils étaient mariés avec l'église catholique pour donner naissance à la première église organisée. Vous voyez mes frères et sœurs? Amen. Et la Bible dit, cette femme Jézabel, qu'est-ce qu'elle fait? Elle amène l'idolâtrie. Elle a amené toutes ces choses. C'est pourquoi elle sera jetée sur le lit du monde. Donc aujourd'hui, l'église sera jetée dans le monde. C'est pourquoi Patrice a chanté. Il était inspiré au moins pour ce chant-là, parce que frère Branham en parle. Il dit, j'ai cherché le monde, j'ai trouvé le monde dans l'église. Et l'église dans le monde. Patrice, maintenant je vais te dire qui les a jetés là-bas. C'est Jésus qui les a jetés dans le monde.
parce qu'elles ont refusé de se repentir. Amen. Maintenant, vous pouvez lire l'âge de Thyatire en entier. Vous comprenez ce que Dieu veut dire là-bas. Levons-nous. Mon frère, ma soeur, merci pour votre patience. J'aimerais simplement que vous compreniez quelque chose. Écoutez, ne rétrogradez pas. Parce que c'est Satan qui vous amène à rétrograder, à relâcher. Oui, frère, c'est pendant qu'il se prépare. Tu lis 244. On va prêter ça. Ah, ou alors un chant qu'on n'avait pas chanté il y a longtemps. 244. Nous sommes à la fin, mes frères. Nous y sommes, béni soit le nom du Seigneur. Chantons ensemble ce bon vieux cantique, frères et sœurs de Pentecôte. Toyemba ensemble, cantique Oyo, Bandeko, ya Pentecôte. Vous direz peut-être, moi je suis baptiste. Yo, kolobata mouzouzou ngaï naza baptiste. Mais si vous avez reçu la bénédiction de Pentecôte. Ce qui yo ozoa bénédiction ya Pentecôte. Vous êtes de Pentecôte. Yo zali moto ya Pentecôte. Béni soit le lien qui nous unit en Christ. Amen. Non, c'est décalé un peu chez moi. Écoutez, Dieu dit, je ne mettrai pas un autre fardeau sur toi. J'avais oublié de l'interpréter, c'est là. Frère Branham dit, ils avaient déjà été persécutés. Ils avaient déjà beaucoup de souffrances. C'est pourquoi Dieu a dit qu'il ne mettra pas un autre fardeau. Mais ce que vous avez, gardez-le jusqu'à la fin. Amen. C'est-à-dire, ce que vous avez, c'est-à-dire la bénédiction de la Pentecôte, le Saint-Esprit que vous avez reçu, gardez-le jusqu'à la fin. Amen. 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 C'est ça. C'est ça que Frère Branham montre. Bon alico, au ben bon alico, et j'allicatina et colosso. De l'ennemi de nos vies. Amen. Donne-nous, Seigneur, d'être encore une fois fort, fervent, plein feu pour la parole. Aide-nous, Seigneur Jésus. Sors-nous de l'amertume, de tout esprit rétrograde. Victoire. Merci Père, au nom de Jésus-Christ.